Salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'on va parler d'un prédateur incroyable qui ne laisse aucune chance à ses proies. C'est tout simplement le léopard. Et attention, hein, lui, faut pas trop le sous-estimer, il vous égorge ni vu ni connu. Bon, déjà, tout le monde sait à quoi ressemble un léopard. Pour faire très simple, c'est un bon gros minou qui veut pas faire de câlin avec vous, hein. Enfin, si, mais plutôt pour vous bouffer. Voilà, donc là par exemple, vous avez Léopold le léopard. Si, si, regardez bien, il est juste là en train de se faire les dents sur une tortue. Dans la nature, les léopards, c'est pas un rigolo. Il déconne vraiment pas. Déjà niveau taille, c'est environ 90 à 1m60 de long, entre 60 et 70 cm au garrot, et son poids, on est entre 45 et 90 kg. Physiquement, c'est un félin trapu, costaud, puissant et très agile. En gros, il a tout pour lui. Et l'agilité, c'est l'un de ses meilleurs avantages. Bon, niveau capacité, le léopard, c'est un délire. Déjà niveau vitesse, il peut aller jusqu'à 50 km/h. Il grimpe dans les arbres sans aucun problème, il saute carrément d'arbre en arbre comme les singes, il a un super camouflage avec son pelage, il est presque indétectable pour ses proies et en plus il est hyper discret. En même temps, il en a un peu besoin quand même, hein, parce que lui il chasse à l'affût. Donc en gros, il se camoufle dans la nature et il bondit sur sa proie très rapidement. On pourrait presque dire que c'est de l'embuscade. Bon, après le léopard il a pas que ses capacités, il y a aussi ses armes. Et vous allez voir, ça rigole vraiment pas. Déjà le léopard c'est un animal très puissant. Quand il chasse une proie, il peut s'attaquer à 2 voire 4 fois sa taille. Et en plus, il les fait monter dans les arbres pour les bouffer tranquillement. Donc faut quand même réussir à l'attracter, le poids mort. Bon, après côté arme, il peut compter sur sa mâchoire et ses griffes. Sa mâchoire c'est environ 300 kg par centimètre carré de pression, et ses canines c'est environ 5 cm de long. Et puis ses griffes, environ 6 cm elles. Avec ça, il pêche au n'importe quoi. Bon alors, vous en pensez quoi de mon Léopold? Personnellement, moi je le vois un peu comme une ombre. Il est tapi dans l'ombre, tranquillement, et au bon moment, il bondit sur sa proie pour vous égorger. Oui, c'est flippant. Bon, après, faut pas oublier non plus qu'il a des points faibles. Et de temps en temps, bah, ça lui arrive de se faire botter les fesses. Donc, bienvenue dans 5 animaux qui peuvent tuer un léopard. Et franchement, c'est vraiment pas gagné, vu le matou. Bon, déjà, on va commencer par la hyène. Niveau taille, elle mesure entre 1 et 1m60 de long, 70 à 90 cm de haut, pour un poids de 40 à 80 kg. Et vous allez voir que la hyène, elle est très bien armée pour démonter les fesses du léopard. Déjà, la hyène, physiquement, c'est du costaud. En termes de prédateur, on est sur l'un des plus puissants de la savane. C'est un animal hyper robuste, d'ailleurs, sa mâchoire est ultra puissante. Elle est quand même capable de broyer pratiquement tous les os, et sa pression équivaut à peu près 900 kg par centimètre carré. Donc là, ça rigole plus. Bon, après niveau comportement, la hyène, elle a l'habitude de vivre en meute. Donc généralement, elle chasse à plusieurs. Et nouvelle info, les hyènes, quand elles chassent, elles mettent des stratégies en place hyper élaborées pour optimiser leur chasse et chasser de plus grosses proies, comme des buffles ou des zèbres. Alors, après, elles ont un autre point fort, les hyènes, c'est leur endurance. Les hyènes sont quand même capables de traquer une proie sur plusieurs kilomètres pour la fatiguer le plus possible, en plus de ça, à une vitesse de 60 km/h. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, finalement, on peut voir que la hyène c'est kiff-kiff physiquement avec le léopard. Mais par contre, elle a 2 avantages. En premier, c'est sa mâchoire, hein, l'une des plus puissantes au monde. Et en deuxième, c'est le nombre. Les hyènes vivent en meute, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elles mettront toujours en échec le léopard. Là, cette fois-ci, on va parler du crocodile du Nil. Généralement, c'est l'un des plus gros reptiles au monde. Donc sa taille, c'est du costaud. La longueur, c'est entre 2 et 4,50 m de long. Et le poids, on est aux alentours des 220 à 550 kg. Et lui, le léopard, bah, il le dépouille, hein. Ça, c'est plutôt logique. Déjà, le crocodile du Nil, il est à l'aise dans l'eau. D'ailleurs, il peut nager jusqu'à plus de 30 km/h. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est pas non plus maladroit sur terre ferme. Quand il l'a décidé et qu'il le veut vraiment, il est quand même capable de pousser des pointes à plus de 15 km/h. Donc c'est quand même pas mal, même si c'est pas incroyable. Niveau arme, sa plus redoutable, c'est sa mâchoire. Il a une pression de mâchoire qui équivaut à 1130 kg par centimètre carré. En gros, pour vous donner un exemple, il peut briser le crâne d'un buffle. Voilà, ça c'est dit. Alors, comme on le sait, c'est l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Et justement, bah, lorsqu'il chasse, on voit toute sa puissance. La technique du crocodile du Nil, c'est de se tapir dans l'eau et se rapprocher le plus près de sa proie pour ensuite bondir d'un coup sec et la choper dans sa gueule. Alors, si la proie est petite, il va facilement la buter. Par contre, si la proie est plus grosse, et qu'elle résiste, bien sûr, bah là, ça va être dur. Ça va être très dur. Et même parfois, il y a certains crocodiles qui vont venir l'aider. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le crocodile du Nil, c'est une machine de guerre, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Franchement, il n'aura aucun problème à buter un léopard. Hein. Il va le choper et le transformer en casse-croûte. Ah, là, on arrive à la grosse surprise de la vidéo. Mais juste avant de vous le présenter, regardez, faites ça si vous êtes nouveau, et comme ça, on n'en parle plus. C'est bon?
Eh ben allez, on reprend. Cette fois-ci, on va parler du porc épic. Et oui, il défonce des léopards celui-là. Déjà niveau taille, c'est 60 à 100 cm de long pour 30 cm au garrot. Et le poids, on est aux alentours des 5 à 10 kg. C'est pas immense à côté du léopard, mais niveau arme, vous allez voir, c'est très très costaud. Déjà pour commencer, le porc épic, c'est un animal avec une très bonne défense. Dans la nature, le porc épic, c'est principalement une proie, donc il a développé une défense presque imprenable avec ses pics. En tout, il en a plus de 30 000 qui mesurent environ 10 cm de long. Vous imaginez, c'est énorme, et ça doit faire mal. Pour se défendre, il met des coups de queue dans la tronche de ses adversaires. Bon, après, c'est pas forcément des animaux très bons dans le déplacement. Niveau rapidité, il n'y a pas grand chose. Par contre, ils sont plutôt agiles. Ils ont souvent l'habitude de grimper dans les arbres pour fuir des prédateurs. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, après, il a aussi un autre truc qu'on sous-estime souvent, c'est la puissance de sa mâchoire. Elle n'est pas réputée pour être ultra dangereuse, mais elle reste quand même puissante. Et il faut pas oublier que les porcs épics ont l'habitude de ronger les os des animaux ou les bois des cerfs pour user leurs dents. Parce que sinon, ils se retrouvent avec des dents qui poussent dans tous les sens et elles font 40 cm de long. Alors, j'avoue que sur le papier, le porc épic n'est pas forcément gagnant face aux léopards. Mais finalement, parfois, il arrive à mettre en échec des léopards grâce à une très très bonne défense et ça pique. Là maintenant, on va parler du lion d'Afrique. Alors, déjà, lui, c'est l'un des plus grands félins au monde. Généralement, il va mesurer entre 1m50 et 2m70 de long. Avec la queue, hein, bien sûr. Et le poids, c'est 145 à 240 kg environ. Et clairement, lui, il est très bien armé pour défoncer un léopard. Mais très très bien armé. Déjà physiquement, le lion, il a un corps trapu. Il a une musculature imposante. En gros, c'est un animal puissant. Et en plus de ça, un gros avantage pour lui, c'est qu'il chasse en groupe environ une dizaine d'individus. En gros, ils mettent des stratégies en place. Ils ont des techniques de chasse adaptés selon les proies, ce qui fait qu'ils sont ultra efficaces. Et puis, niveau capacité et armes, c'est pas ce qui manque chez le lion, mais vraiment pas du tout. D'une, il a une mâchoire très puissante avec une pression de 425 kg par centimètre carré, des griffes hyper tranchantes qui peuvent mesurer environ 6 cm de long, et quand il court, il est plutôt rapide parce qu'il peut atteindre une vitesse d'environ 70 km/h. Et autre point qu'on sous-estime beaucoup trop, c'est que le lion, c'est un animal très territorial. Donc en gros, vous êtes sur son territoire, il se transforme en une bête féroce et il vous dépouille la tronche. Bon, finalement, le lion, c'est pas pour rien que c'est le roi des animaux. Il est costaud, puissant, et surtout comme la hyène, bah, il vit en meute. Donc c'est carrément mission suicide pour le léopard face à un lion. Hein. Ah, le licaon, ça c'est un animal fascinant. Alors vous l'avez pas trop aimé, hein, ça se voit, vu le nombre de vues que la vidéo a faite, hein, mais moi j'adore cet animal. Déjà niveau taille, il mesure de 1 à 1m50 de long, environ 70 cm au garrot, et le poids, on nous a autour des 20 à 30 kg. Et ce canidé là, c'est une machine de guerre, vous allez voir. Bon, déjà le gros point fort des licaons, c'est de vivre en meute, comme la hyène et le lion. Le gros avantage, c'est que ça lui permet d'être plus efficace lorsqu'il chasse. Par exemple, ils sont capables de mettre en place une stratégie de chasse parfaitement coordonnée et de la modifier au cours de la traque pour la réadapter et être plus efficace. D'ailleurs, pour info, son taux de réussite, c'est le plus haut de la savane, avec 80% de réussite. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, il est tellement intelligent qu'il est capable de transmettre ses techniques de chasse de génération en génération. Et puis, on dirait pas forcément comme ça, mais le licaon, il est super bien armé. Déjà, il a une mâchoire assez puissante. J'ai pas le chiffre exact, mais elle est presque aussi puissante que celle de la hyène. Alors, pas autant, hein, bien sûr, mais elle est pas mal. Et puis, physiquement, il est taillé pour l'endurance. Il se rapproche un peu du loup, d'ailleurs. Il a de longues pattes, un large poitrail, et il est capable de traquer une proie sur plusieurs kilomètres à une vitesse d'environ 45 km/h. Et il est tellement bon en endurance qu'il parcourt plus de 50 km par jour. Là, pour le coup, il peut bien traquer ses proies. Et bah finalement, pour moi, c'est aussi une surprise, les licaons. À chaque fois, on les sous-estime, et pour autant, ils ont plusieurs avantages. En premier, c'est de vivre à plusieurs, en meute, et le deuxième, c'est leur ténacité. Ils lâchent jamais rien, et le léopard, ils le lâcheront pas. Bon, et bah voilà, maintenant vous connaissez les animaux qui peuvent briser le léopard en deux. Et franchement, c'est pas gagné vu sa puissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!